Si tu n'y reviens plus. Et la pauvre malheureuse, elle a dû refuser toutes les propositions qu'on lui a faites. En Amérique, en France, il y a eu. Elle est restée, elle a fait d'autres films, mais elle est morte dans la misère. Elle est morte il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. C'était terrible parce qu'elle vivait de la charité de certains, dont un certain Mitalkov qui a été très généreux avec elle, qui lui a donné une subvention, une sorte de bourse, parce qu'elle vivait dans la misère. Alors, moi, c'est des destins qui me touchent beaucoup. Elle avait évidemment toute sa famille là-bas, elle ne pouvait pas décider de s'expatrier. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, qui ont réussi à le faire, mais pas beaucoup. Donc voilà un destin qui a subi la politique de son pays. Est-ce qu'il y a d'autres réactions?